sachez que vous assistez à la troisième épreuve de ce concours national d'attache ici à Évreux, 19e concours national organisé par l'association départementale d'attache de l'air. Allez, François, on rentre dans le E dans le chemin numéro 1, 0783. Il nous vient de Picardie de continuer le chassement. Et il a été l'année dernière, champion de France, de ce sommet amateur 1. Alors, pour ces quatre chiffres, le Michel Boucher est 5e avec 68.75, Sophie de Longchamp est 4e avec 68.23, et Patrice Dubrul est 3e avec 67 points. Donc, ces deux trois concurrents qui sont sur la piste actuellement sont à dans moins de 2 points, c'est-à-dire en moins de 4 points. Numéro 32 et dans l'obstacle numéro 4, obstacle le groupe amarre, c'est-à-dire le trou. Ouais.
va bientôt arriver sur l'obstacle numéro 1, le numéro 32, Anne Tessier, qui nous vient du Nord, qui est actuellement championne de France de la catégorie attelage de chevaux de trait. Elle a été championne de France l'année dernière, au mois de... championne de France de 18 des chevaux de trait. Nous avons actuellement dans l'obstacle numéro 4, l'obstacle Groupama, le numéro 33, Christian Leray. Allez. Dans la catégorie des chevaux de trait. Allez David. Et dans l'obstacle numéro 2, nous avons Catherine Richard. 60,54 points de pénalité, et que son Michel Vigneault, qui termine l'obstacle numéro 3, était à moins d'un demi-point de Pierre Moutier, c'est-à-dire avec 61 points de pénalité. Alors, sachant que chaque seconde passée dans l'obstacle, c'est 0,2 points de pénalité, c'est-à-dire que les deux concurrents, Pierre Moutier et Michel Vigneault, sont à 3 secondes d'écart au niveau de pénalité. Que Michel Vigneault aille 3 secondes plus vite que Pierre Monnier, il sera à égalité avec Pierre Monnier. Ici, il fait 4 secondes de moins, il pourra gagner l'épreuve.